L'être humain a l'art et la manière de se tuer lui-même avec le stress. Vous prenez un animal, par exemple. Je ne sais pas, je dirais un lapin. L'image que j'ai en tête. Un lapin, et il y a un loup qui lui court après. Bon, le lapin, il va stresser, il va courir, j'espère pour lui, c'est la chaîne alimentaire, hein. Il va peut-être en réchapper, et s'il en réchappe, dans ce cas-là, il va être stressé, il va courir et se réfugier dans son terrier, et il va stresser peut-être pendant 30 secondes, une minute. Et ensuite, c'est terminé. L'animal arrête de stresser. Nous, les êtres humains, on est intelligents. Ben, je vais vous dire un truc, parfois on utilise très mal notre intelligence et on devrait imiter les animaux, pour le coup, moins intelligents que nous. Nous, on est capable de générer un stress et de le maintenir toute la semaine, toute une journée et pendant des heures, parfois pendant une année, parfois pire, toute une vie. Et c'est ainsi qu'on détruit notre système nerveux central et qu'on provoque des maladies graves. Mais trouvez votre façon d'être moins stressé parce que ça vous détruit, sérieusement, si vous êtes trop fatigué, trop souvent. Si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez une chute d'énergie après le repas le midi, et pire, si vous avez du mal à vous coucher le soir, it's time to wake up, my friend.